Salut à toutes et à tous, c'est Koinski. Aujourd'hui, on va continuer l'exploration de la forteresse de Redrick avec la résolution de la quête donnée par Nedmar la dernière fois, qui consiste à aller sauver son ancien acolyte Gyako des prisons de la forteresse dans les sous-sols du donjon. Donc, on va essayer de faire au moins ça durant cette vidéo, qui sera pas une très très longue vidéo, je pense. Alors, on va déjà essayer d'explorer un petit peu ce coin-ci. Apparemment, je peux me servir. Le faire, puisque c'est gratuit. Une robe de qualité, d'accord. Un livre. Shall be discreet. D'accord. Alors, je pourrais très bien me reposer dans la chambre ici tant que j'y suis, puisque mes personnages sont un peu fatigués. Mais je vais garder mes outils de camping pour quand ils seront vraiment fatigués. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ils ont une fatigue mineure, mais pas plus. Donc, je vais pour l'instant essayer de continuer comme ceci. Donc il faut qu'on arrive à redescendre vers les étages inférieurs. J'ai enlevé les robes de prêtre puisqu'apparemment je n'ai plus besoin d'avoir un déguisement puisque j'ai obtenu un mot de passe de la part de Nedmar. On verra si on doit s'en servir. Ah, apparemment j'aurais dû quand même remettre mes robes. Ok, bah tant pis. Mon guerrier va prendre l'aggro. On va passer en mode attaque avec Benvenuto. I think it may be time to strike up camp. Une armure de plate éventuellement pour Raider, ça pourrait être intéressant. Petit bouclier, je ne crois pas. Une masse d'armes et une grande épée. D'accord, on va aller voir tout de suite cette armure de plate. Et on va la comparer avec l'armure en maille de qualité que Kader a équipée pour l'instant. Donc résistance 12 par rapport à 11. En taille 15 par rapport à 17. Perforation par contre 15 contre 11. Choc 6 seulement contre 11. Elle est un petit peu meilleure, mais contre l'électricité par contre ça fait de gros dommages. Je vais toujours l'équiper. Et alors cette armure en maille de qualité, je pourrais éventuellement la donner à un autre de mes personnages, peut-être Durance. Je vais la donner à Durance, je pense. Hein ? Of course. Alors, je pourrais remettre les robes. Pour l'instant, je vais pas le faire. Quelques petits combats, ça peut pas faire de mal. Je vais... Alors, c'est un escalier qui descend. Donc, ce serait bien un escalier que je pourrais prendre pour rejoindre les donjons, éventuellement. Cachot de la forteresse. Parfait, on y est déjà. Super. Yeah. Of course.
Ah tiens, une goule. Deux goules. Tout un tas de goules. Et ici, un gros mort-vivant qui est un revenant, d'accord. On va se mettre là, comme ça on va peut-être coincer éventuellement les ennemis ici. Voilà. Un renversement, ça peut jamais faire de mal. Alot, il va essayer peut-être de lancer une petite boule de feu contre des morts vivants. Ça pourrait être vraiment efficace. En plus, je ne l'ai pas encore fait, donc on va... Alors, ça touche pas sur un rayon énorme, mais c'est déjà pas mal. On va lancer la boule de feu ici. Donc, ce que j'ai remarqué au niveau de l'icône au centre du rayon, c'est que quand un sort est trop loin pour le lancer sans se déplacer, il y a des petits pieds qui apparaissent au niveau de cette icône-là. Ça veut dire que Alot va devoir s'approcher avant de lancer le sort. Tandis que si on voit les pieds disparaissent, ça veut dire que Alot est assez proche que pour envoyer le sort sans se déplacer. C'est quand même intéressant de savoir, je trouve. J'ai mis du temps avant de m'en rendre compte. On va... Ouh là là, dis donc, ça se lance hyper rapidement. C'est pas mal. On va lancer maintenant les missiles bondissants. D'accord. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour terminer ses ennemis. J'ai un problème de... Ah voilà. La chair de vaisseau et des os de vaisseau, d'accord. On va fouiller un petit peu l'endroit. C'est un genre de crypte, on a des sarcophages. Je vais sauver, on va essayer de désamorcer les pièges avec Benvenuto. Très bien. 108 pièces, super. Une brigandine de qualité. C'est pas mal, hein, résistance aux dégâts 12. Très très bien, on va regarder. Peut-être qu'Anna pourrait la mettre. Il a une brigandine pour l'instant, on va l'améliorer avec la brigandine de qualité. Piège. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Une grande épée de qualité. La grande épée, c'est à deux mains. Et de qualité. Il semble que c'est Kana aussi qui utilise une épée à deux mains. Les stocks. Je pourrais lui mettre cette arme là. As you say. Yeah. Voilà, on va continuer l'exploration par ici. Pas de porte. Ok, on va sortir. On va enchaîner sur la pièce qui se trouve en face directement. Hello. Hello. Apparemment, il n'y aurait pas d'ennemis dans le coin. Il est simple, on va le mettre dans la réserve. Right. Je sais pas si c'est les noms des backers qu'on voit apparaître ici, je suppose que oui. Je suppose que ça doit être ça. Un hommage aux backers du jeu.
Ok. Alors. On your word. Hi. Points away. All right then. Hey, I'd say it's time to get a campfire going and let sleep follow. J'adore vraiment les environnements du jeu, sont vraiment toujours très très beaux. Très sympa. Piège, on retournera voir ça plus tard. Hey. Ready, Watcher. Alors, Benvenuto. Pas de grosses difficultés au niveau des ennemis rencontrés pour l'instant. Une petite mauvaise manip. Un limon. On va essayer de se mettre correctement. Hey. Yeah. Alors. Hey. How may I help? Grave Dalphilos. Ok. Je vais crocheter un petit peu les portes que je trouve pour gagner un peu d'expérience. Let's see what lies this way. Alors on va aller voir qui est cette personne. C'est peut-être Gyako, la personne qu'on recherche, l'acolyte. C'est lui. Le visage de ce jeune homme est sévèrement meurtri et sa forme décharnée est couverte d'une chemise élimée. Il vous regarde frissonnant avec une lueur d'espoir dans les yeux. Je ne sais pas qui vous êtes, mais pourriez-vous m'aider? Kana, le pauvre gars était malmené. Quitte à être des intrus, libérons-le et faisons d'une pierre deux coups. Gyako regarde nerveusement derrière vous vers la porte ouverte de la cellule. Je ne pense pas pouvoir me battre pour sortir. Vous êtes libre, courez. Vous devez être Gyako. Nedmar m'a envoyé vous chercher.
va lui dire ça. Nedmar, Gekko lance un rire plein d'incrédulité. Le prêtre vous a envoyé et je pensais... En fait, je pensais qu'il me laisserait pourrir ici. Il n'était pas très content lorsque j'ai quitté la forteresse. Je lui ai dit que je pourrais faire plus de bien avec Kolsk qu'en tant qu'acolyte. Il m'a accusé d'aller rejoindre une bande de hors-la-loi. Gekko baisse le regard sur ses pieds. Je suppose que nous avions tous les deux tort. Que pouvez-vous me dire sur Nedmar ? Il a été un véritable père pour moi. Mon vrai père était un commerçant et il est mort dans une attaque de bandits lorsque j'étais jeune. J'ai peu de souvenirs de lui. Je me souviens des jours qui ont suivi cependant, coincé ici dans la vallée de Ré, quémandant de la nourriture. Ouais, donc apparemment il s'est fait recueillir. D'accord. Je veux dire qu'il est libre. Merci l'étranger, je dois retourner à la croisée, mais je pense d'abord à manger et à me reposer. Dites à Nedmar, eh bien dites-lui que j'ai toujours la sculpture de chevalier pâle qu'il m'avait donnée quand j'étais enfant. Que j'espère qu'il va bien. Bonne chance et que les dieux vous gardent. Je suis pris un petit peu de réputation positive encore une fois à la vallée de Ré. De manière modérée. J'ai libéré Gekko de sa cellule, le journal en prend bien compte. J'aimerais bien aller voir un petit peu mes réputations, ça fait longtemps que j'ai pas été voir. Apparemment au niveau de ma personnalité, je mange un petit peu à tous les râteliers, bah, je fais ce qui me semble le plus cohérent par rapport à Benvenuto quand on me pose des questions ou quand je dois réagir, c'est comme ça. C'est pas spécialement un type ou l'autre. Alors je suis neutre à la baie du défi, c'est normal, je n'y suis pas encore allé. La vallée dorée, je suis héros, modérément bon. Soit. Alors, est-ce que je remonte ou est-ce que j'explore un petit peu? On va explorer un petit peu quand même ce donjon, qui n'est pas très très dur, donc ça ne devrait pas me poser trop de problèmes. Il y a quand même du monde ici, on va reculer. Là. Perhaps a little rest is in order. Alors, on arrive dans un lieu bizarre où il y aurait bien des expériences qui seraient menées. Yeah. Le réservoir est chaud au toucher, le verre vibre sous l'effet du fluide qui bouillonne à l'intérieur. Right. I'll see what I can find. Let's see what lies this way. Sans 10, on commence à trouver vraiment des sommes assez rondelettes dans le jeu maintenant. Je vais aller voir ce qui se cache là-bas au bout. Nice and quiet. Se mettre ici au niveau de l'entrée. Hey, of course. Apparemment, on a une conversation. Voilà Osria, la magicienne que j'aurais bien voulu retrouver justement. Tant mieux, vous surprenez une femme en train de traverser la pièce. Elle tourne la tête dans votre direction. Ses cheveux longs, noirs et bouclés retombent de chaque côté de son visage, dont une moitié est tachetée d'un liquide vert. Elle vous jette un regard d'une intensité inquiétante. Encore une interruption. La femme pose le livre qu'elle tenait avec l'ombre d'un sourire. Quelle période intéressante, tous ces indésirables qui s'invitent. Je suppose que c'est vous que je dois remercier pour les dégâts infligés à mon travail. Ça m'a pris du temps de remettre ces gens sur pied, vous savez.
Azria fronce les sourcils. Que faites-vous là? Perception 12. Le seigneur Redrick m'envoie prendre des nouvelles de vos recherches. Je vais peut-être lui dire ça. On va essayer de la tromper, de la duper pour obtenir des informations. Elle vous lance un regard glacial. Au bout d'un long moment, elle lève enfin les bras dans un geste d'exaspération. C'est tout lui. Je pensais avoir quelques jours de paix avant qu'elle se remette à grogner. Alors, s'il souhaite me voir progresser plus vite, il pourrait peut-être daigner me fournir les matériaux dont j'ai besoin. Est-ce qu'elle s'imagine qu'il est le seul à s'impatienter? Il m'a fait l'honneur de ce... Elle englobe la pièce d'un geste pathétique petit laboratoire et elle s'attend à des miracles. Et pendant ce temps, ce vieux scélérat, ce prêtre inutile, a tout l'étage supérieur de la forteresse à sa disposition. Et que fait-il pour cela? Il entretient des superstitions et donne des conseils inutiles. Elle expire rageusement. Très bien, admirez mes progrès. J'ai fait ce que j'ai pu avec la cohorte pouilleuse de Kolsk. Elle a ranimé les hommes qui ont attaqué la forteresse sous les ordres de Kolsk. Dites à Redrick que j'aurai des informations plus utiles à lui transmettre quand on me laissera le temps nécessaire pour étudier. Elle renifle. Si vous avez de la chance, il ne vous pendra pas à ma place. Intéressant, mais j'aimerais quand même bien obtenir son grimoire. Ah. Ok, on va essayer de s'en tirer comme ça. On va essayer de assez bien se concentrer sur elle parce qu'elle va lancer des sorts. Je vais lancer un sort un peu plus costaud que ça quand même. Bon, de toute manière, j'avais prévu de la combattre. Je n'allais pas me défiler. Je voulais vraiment récupérer son grimoire, donc on va aller le ramasser. Une clé de cellule en fer rouillé. Ouais, c'était peut-être pour délivrer Gyako dans le cas où on n'aurait pas eu un voleur avec soi. Ou alors ça ouvre autre chose. Bourdon. Et le grimoire d'Ozria. Ce que je vais faire aussi après, c'est prendre un niveau pour Sagani. Et je crois qu'on va se reposer aussi dans cette pièce-ci. Alors allons-y, allons voir un petit peu ces sortilèges. Alors, au niveau 3, elle a éclair crépitant. On va la prendre. Au niveau 2, toile liante. Voilà. Et au niveau 1, contact brinque-ballant. Ouais. Et pied léger. Très bien, donc j'en ai plus besoin, je vais les mettre maintenant dans la planque. On va prendre le niveau pour Sagani. Je voulais aller voir quelle spécialisation elle avait d'armes, mais c'est les armes de paysan, je m'en souviens maintenant. Donc elle a de la furtivité, mais je vais pas lui en donner trop, j'ai déjà un voleur, c'est Benvenuto. Pareil pour la mécanique. Il lui faudrait un petit peu d'athlétisme par contre. Pour ne pas te fatiguer trop vite par les combats. De toute façon, franchement, je suis pas sûr que je vais la garder longtemps, cette rôdeuse-là.
elle me paraît pas si géniale et ses capacités, je les utilise pas trop pour le moment. Alors, visée rapide. Fois 1,2 de vitesse d'attaque, fois 1,5 de vitesse de rechargement, moins 7 de précision, ouais. Le lien défensif, un effet passif, plus 15 de défense contre les attaques à zone d'effet. Compagnons animaux, plus 15 de défense contre les zones d'attaque à zone d'effet. Liaison du chasseur, soit précision de plus 10 en attaquant la même cible que le compagnon animal. Intéressant. Sens de prédateur, soit 1,5 de dégâts contre les cibles affectées par des dégâts progressifs. Et sens de la flèche, plus 15 de déviation contre les attaques à distance. Ouais, ouais. Alors ici un mode, un petit peu plus de lenteur à tirer, fois 0,8 de cadence de tir, fois 0,8 de vitesse de rechargement. Oui, ça va de pair. Plus 10 de précision à distance, fois 1,2 de dégâts à distance. C'est pas mal pour en faire une archère un peu plus... Ouais, il est pas mal ce mode. Elle va tirer un petit peu plus lentement, mais plus 10 de précision, c'est quand même vachement bien. Et plus 20% de dégâts, c'est aussi vachement bien, quoi. Donc je vais la prendre. Je vais prendre ça. Visée haineuse. I'm here. Voilà. Yeah, right. On va fouiller un petit peu le coin. Nice and quiet. Aucun. Arc de chasse classique et ici un stylet de qualité. Alors les stylets, je pense que c'est Eder qui peut les utiliser éventuellement. On va toujours le mettre dans la planque. Fatigue majeure, voilà, il est vraiment temps que je me repose. Au niveau de mes sortilèges pour Alot, j'ai appris éclair crépitant. Je vais le prendre juste pour voir un petit peu. De toute façon, c'est vrai que j'ai pas encore rempli les 4, donc je peux de toute façon prendre les 3. Si j'ai appris toile liante en plus. Ouais. Enfin, j'ai déjà sol glissant, donc on va pas le mettre pour l'instant. Bah, on va garder ça comme ça pour le moment. Indeed. Quoi que je pourrais quand même apprendre contact bringue-ballant. Mettre. Mémoire. Enlever la frappe de voile en lambeau. À se reposer. Et on va finir d'explorer cette carte-ci. Alors, quelques petits coffres, de l'argent, très bien. I'll get it open. L'armure en peau, on s'en fiche. I shall be quiet as a calm sea, which is... On récupère un matériel de camping, très bien, je reviens à 4. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Alors ici c'est un autre accès, on peut remonter par un autre endroit. Je vais pas le faire parce qu'on risque de se retrouver contre des ennemis. Light, flame and sound.
on sait pas ouvrir cette porte. Bizarre. On va venir par l'autre côté alors. Oh, il y avait un piège, tiens là. Piège impossible à neutraliser à mon niveau. On va passer à côté. Ah, Durance. Encore déclencher un piège. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va? Finished. Of course. Un limon. And what does the flame reveal? Yes. On va lancer une petite boule de feu là-dedans. Margrin's fire casts light in dark places. I shall be discreet. Huh? Alors, voyons voir ce qu'il y a ici. De l'Adra. Alors, d'après la carte, c'était pour aller vers la cuisine ici. Explorer pas mal. Je vais encore venir explorer la partie sud-est du donjon. On va le faire. Éventuellement, je pense que j'ai peut-être un peu trop traîné avant de faire cette carte-ci. Plutôt cette quête-ci. Les ennemis sont vraiment d'un niveau inférieur pour le moment. Ça va peut-être changer. Oula, oula. Ah, des gantelets de précision. C'est la première fois que je rencontre des gantelets magiques qui ont l'air intéressants. Plus 5 de précision. Ah, vraiment bien, vraiment bien. On va les donner à Eder éventuellement. Pour l'instant, il a les gants du Fulvano plus 5 de réflexe. Sinon, Benvenuto lui n'a pas de gants. On va voir si on peut... S'il n'y aura pas de double emploi. Je vais les mettre et on va aller voir ici. Des effets actifs. Tout est actif, donc pas de double emploi, très bien. Ça comme ça. Alors ici, ça mène
Remparts inférieurs. Des ennemis par là, je vais pas y aller. On va remonter voir Nenmar, hein, de toute façon. Ok, s'il y avait un piège, non? Voilà. Margrin's fire casts light in dark places. Yeah. All right then. Ah. Je vais quand même sauver avant de cliquer dessus. Ah merde, c'était une sortie directement. J'ai pas fait gaffe. Je pense que c'était un objet interactif. D'accord, on sort de la forteresse ici. Donc j'aurais pu rentrer par là aussi. Intéressant, je vais vite rentrer avant qu'un garde ne me voie. On va remonter ici, explorer ceci. Utiliser la clé de cellule en fer rouillé, d'accord. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant? 15 pièces, c'est pas terrible. See what lies this way. Finished. Par ici j'ai déjà été et là c'est par où je suis rentré, donc je pense que j'ai fait le tour. On va remonter. On va parler à Nenmar pour voir un petit peu si maintenant je peux aller voir Redric. Vous êtes revenu, l'avez-vous trouvé? Y a-t-il des survivants? Jaco est en sécurité, il m'a demandé de vous dire qu'il a gardé la sculpture que vous lui avez donnée enfant. Avec une vigueur soudaine, il se précipite pour se saisir de votre bras. Oh, que les dieux en soient remerciés, merci, je ne pensais pas que vous pourriez, en vérité, j'avais peur de... Il secoue la tête. Je ne voulais pas qu'il rencontre le chevalier pâle si tôt. Il recule pour reprendre ses esprits. Tenez, ce que je vous ai promis en retour. Il sort une grande clé de fer de la poche de sa toge et vous l'attend. Ceci ouvrira une porte dans le scriptorium. Il pointe l'ouest. Et de là, vous pouvez atteindre la chapelle et le seigneur Redric. Redric, sans rencontrer trop de gardes. Prenez ceci également. J'ai peu de fortune à offrir. Il vaut mieux donner quelque chose d'utile. Pas que j'oublie d'aller voir ce qu'il m'a donné. Avant que vous ne partiez, sachez que malgré ses défauts, le seigneur Redric suit les dieux avec obéissance et il essaye de servir au mieux les intérêts de la vallée dorée. Il se peut qu'avec le temps, il obtienne ce qu'il désire. Essayez de garder cela à l'esprit avant de céder à la violence. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Couvre cette clé. C'est la clé principale, il tord ses mains tandis qu'il parle. Elle n'ouvrira pas toutes les portes, mais elle vous permettra d'accéder aux escaliers menant à la chapelle du seigneur. Elle ouvrira également les portes le long du couloir principal de la forteresse, mais vous devrez faire face à des combats intenses si vous allez par là. Je pensais que vous préfériez Kolsk comme seigneur de la forteresse de Redric. Je le préfère tel qu'il est, un homme de vision, mais Kolsk a soif de régner, même si c'est dans un but noble, il n'est pas poussé par sa foi. En fait, il mange un petit peu à tous les râteliers, celui-là. C'est mon ami et je veux assister Kolsk pour restaurer la faveur divine sur les terres de la vallée de Ré, dans l'éventualité où le seigneur Redric serait renversé. Sinon, je vais continuer à servir le seigneur Redric en pensant que tout va s'arranger naturellement. Bien. J'ai besoin de repos.
peut toujours se reposer encore une fois. Et donc je dois aller vers l'ouest. Sans doute par ici pour trouver une porte qui va être ouverte grâce à cette clé. Et je pourrai alors accéder à la chapelle et à Redric. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on fera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis donc à la prochaine. Salut à toutes et à tous!